assurance. Elle est bonne, non? Super, très drôle, je vais la noter. Donc, mais je veux une assurance pour ma voiture. Alors, on a fait une assurance très, très, très compétitive. C'est une assurance voiture tout risque au tiers du pare-brise. Quoi? J'ai rien compris. En fait, c'est pas compliqué. On vous assure tout risque pour un tiers du pare-brise. Donc si je prends un caillou côté passager, je suis pas assuré. Après, c'est vous qui choisissez le tiers du pare-brise. C'est une possibilité, c'est une option. Non, mais c'est quoi ces conneries? Moi, je veux une assurance pour toute la voiture. Vous avez quoi d'autre? Non, y'a que ça. Hein? Y'a que ça, assurance. Parce que trop de choix, tue le choix. Enfin, y'a un minimum, quand même. C'est pourquoi? Eh ben, y'a une connerie me rentrée dedans. Oh, c'est génial! Je savais, c'est génial! Oh, c'est génial! Oh, c'est génial! Oh. C'est génial, ça aussi! Non, mais vas-y, pète! Rentre aussi, non? Tenez le constant! Voyons ça! Ok, alors! Oh putain, c'est maintenant! Oh, c'est génial! Oh, c'est génial! Eh oui, mon enfant, c'est ma femme! Oh, la conne! Oh, la conne! Oh, c'est génial! Je vous le fais pas dire! Quelle conne! Mais faut régler ça au primaire, hein! Oh, c'est génial, tu vois! Oh, pas de blague, hein, je change d'assurance, hein! Continuons! Gros papa, l'assurance des bofs, avec un faux air de Sébastien Patoche. Bon, faut assurer le chien, monsieur. Ah bon, et pourquoi? Imaginez, il croise un enfant, et paf! Paf! Bah, et il le mord, et paf, l'assurance. Et là, il faut y penser. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je vois que vous avez un vélo aussi. Oui, j'ai un vélo. Bah, faut l'assurer aussi, hein. Ah, et pourquoi? Bah, vous êtes dans la rue, vous pédalez. Oui, un vélo, quoi. Avec des pédales, et un guidon. Et un enfant surgit de la rue. Paf le gosse. Bah, paf le gosse. Ah! Faut y penser. Mais ça va nous coûter combien cette histoire de paf là? Alors, le prix des deux contrats s'élève à 300 euros. Ah, oh, ça va, c'est pas trop cher, ok, je prends les deux. Non, par mois. Oh con, paf, ouais. Et paf, l'assurance qui fait paf quand on voit les tarifs. Ouais, ça fait mal au cul. Alors, que dites-vous, cher monsieur, c'est du tarif ou c'est pas du tarif ça? Ah ben, je dois dire que c'est attractif, hein. On est les meilleurs sur le marché. Et vous êtes sûr? Parce que 20 euros pour assurance touriste voiture et assurance de la maison, ça fait vraiment pas cher, hein. C'est donné presque. Non, on est comme ça, c'est tout. Mais c'est normal que sur le contrat, il y a juste le prix et la signature à faire? Oui, plus simple c'est, mieux c'est. Vous cassez pas la tête, signe. Par contre, il y a une astérix là. Une astérix. Il n'y a pas d'obélix. Pardon. Non mais c'est au cas où on va rajouter des trucs là. Mais vous inquiétez pas, on rajoute quasiment jamais rien. Alors, signez, ça me va. D'accord. Ah oui, et la franchise. Il y en a pas. Ah, c'est top ça. Et les augmentations de tarifs, il y en a ou pas? Non plus. Allez, signez avant que je change d'avis. Astérix, attention, ou j'appelle Obélix. Ah oui, voilà, allez. Ça y est. Super, très bien, vous débitez la première cotisation la semaine prochaine, hein. Allez, au revoir et à bientôt. Ah oui, à bientôt, allez, au revoir. Monique, débite-moi la spéciale, avant que ce con se rétracte. Et combien je lui prends ce bureau? Oh Monique, c'est notre client quand même. Prends-lui 4000, et au premier accident, on lui prend le double franchise. Et voilà. Naïf, plus t'es con, plus on t'en prend. Et plus je me gave. Putain, ils sont crédules, ces cons. La semaine prochaine, je lance un virus. Bon, et pour la maison, vous avez quoi? Alors là, c'est la formule tout compris. Ah, et qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais justement, qu'est-ce qui est tout compris? Quoi? J'ai pas compris. Putain, mais c'est quoi qui est compris dans ton assurance tout compris? T'as compris? Ah, alors tout, sauf ce qui est pas compris dans le tout compris. Non mais c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qui est compris dans ta putain d'assurance de maison? Ah, mais ne me hurlez pas dessus, j'avais pas tout compris. Donc? Quoi donc, j'ai pas compris? Oh con! Tu sais quoi? Ta gueule, t'as compris ça? Voilà, et ça c'est compris. Ah oui, ça j'ai compris, mais c'est pas compris dans le prix par contre. T'as compris? Y'a que ça, parce que nous non plus, on n'a pas tout compris dans le tout compris. T'as compris? Non, j'ai rien compris, je me casse. Et est-ce que vous avez une assurance téléphone? Non. Non, faites voir ce que c'est comme portable. Je sais pas, c'est un iPhone là. Tenez. Oui, c'est un iPhone. Oups, merde. Quoi? Bah forcément, elle va bien moins bien marcher. Mais il est tout cassé.
casser maintenant. Forcément, il va moins bien marcher. Vous avez une assurance? Ben non, je viens de vous le dire. Ah ben c'est ballot. Et il vaut plus rien maintenant le téléphone. La prochaine fois, vous me demandez, monsieur Roger. Hein? Allez. Paf. L'assurance qui fait paf quand le téléphone y tombe. Paf dans ta gueule, ouais. Paf dans ta gueule. Alors vous voulez assurer votre voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est les papiers sont là. Merci. Ah oui, ah oui, ah oui, avec ce modèle-là, il faut, hein. Ah, je comprends, hein, complètement, hein. Ah, ça doit être une super bagnole. Oui, vous voulez la voir, vous avez son téléphone? Ah oui, volontiers. Ah oui, franchement, très, très, très jolie. C'est votre femme, voilà? Oui, c'est elle, c'est la belle. C'est pas la peine, hein. Comment ça? Elle est moche. Pardon, excusez-moi, votre femme, hein, pas la voiture. Laissez-la dedans, ça fera un petit vol, hein, parfois. Vous allez faire une sacrée économie d'assurance avec ça, hein. Je peux pas ne vous la voler. Direct assurance. Chez nous, on ne passe pas par quatre chemins. D'ailleurs, elle fait quoi, votre femme? Non, parce que je viens de semer, j'ai besoin d'un épouvantail. Mais non, partez pas, je rigole. Je la paye. Oh putain, je suis sorti ici, oh.